Le vide dont on va parler, c'est le vide de l'architecture, de l'habitat, de l'urbanisme. Et donc, on est devant, je crois qu'il faut cerner le vide. On va parler de l'espace atmosphérique, celui dans lequel on respire et on vit, du désert, de la place et de la pièce dans l'architecture, en gros. Donc, parler du vide, c'est parler du mouvement et de la circulation, et donc de la profondeur de champ. Et à mon avis, là, on entre dans la question de la perspective, qui est une perspective spatiale, celle du Quattrocento, qui est liée au vide. Mais on parle aussi de la vitesse de déplacement, puisqu'on parle du mouvement. Et là, on est non plus dans la profondeur de champ, mais dans la profondeur de temps, c'est-à-dire dans une perspective temporelle. Celle du temps réel, celle de ce qu'on appelle l'effet TGV, et celle de l'accélération. Parler du vide de façon théorique, mais en architecte, en urbaniste, c'est parler de qualité et de quantité. La qualité du vide, le vide n'est pas rien, la preuve, c'est un champ et c'est une durée, mais c'est aussi une quantité. C'est-à-dire une étendue et un délai. Donc on peut dire, on est dans ce que les relativistes appellent le continuum. Le vide est continuum. Il n'est pas simplement espace, atmosphère, espace public, il est espace-temps. On n'a pas besoin d'être relativiste pour dire ça. Donc le vide et le vite sont en rapport avec le vif. C'est-à-dire le vivant. Hein, le vide est le lieu du vite, et donc aussi du rapport au vif, c'est-à-dire à la vivacité de l'homme qui habite, de l'homme qui est logé, etc. D'où la question ergonomique de l'emploi de l'espace, bien sûr, de cet espace vide, il y a un emploi de l'espace. C'est la distribution des pièces, c'est la distribution des quartiers, des places publiques, etc. Mais aussi de l'emploi du temps, hein, ce qu'on appelle le slow aujourd'hui, slow city. Alors là, une phrase qui est importante parce qu'elle va nous introduire à la question de la géométrie. L'image donne mesure au chaos du visible. Alors je rappelle que cette phrase introduit à la question de la géométrie. La géométrie est une image, une première image qui est le fondement de l'architecture. L'architecture est liée à une géométrie euclidienne ou non euclidienne. On se trouve, nous les architectes, c'est-à-dire nous les hommes qui traitons de l'homme qui habite, de l'habitant, nous nous trouvons face à deux énergies, du vide et du vite, dans la maison comme dans le TGV. L'énergie cinétique, celle d'un ascenseur, celle du TGV, mais aussi de ce que je nomme, qui n'est pas considéré encore scientifiquement comme une réalité, l'énergie cinématique, du sensible. Et j'en donne un exemple très simple. Quand on fonce dans le TGV, le paysage défile. C'est donc un cinématisme. C'est l'origine du cinéma. C'est pas un hasard l'arrivée du train en gare de la Ciotat des Frères Lumière. C'est que le train a animé la vision du monde. Et donc, le problème du mouvement pose bien sûr le problème de la vitesse, du déplacement d'un corps, mais aussi du changement de perception, qui est le cinématisme. Et pas seulement au cinématographe, mais quand on prend un véhicule quel qu'il soit, un ascenseur extérieur ou etc. Donc, à mon avis, c'est très important là de revenir à cette question du vif, du vite et du vide. Le grand enfermement dont parlait Michel Foucault à propos de la prison, etc., est devenu le grand enfermement dans un monde qui, d'après l'empreinte écologique, est trop petit pour notre avenir. Donc ça se répercute sur la claustrophobie du citadin, la claustrophobie de l'homme sédentaire,
Ce qui peut d'ailleurs expliquer le tourisme et le délire d'un tourisme où les gens bougent tout le temps. C'est qu'il y a déjà une sorte de claustrophobie collective d'un monde trop petit, d'un monde qu'on réduit par l'accélération, accélération aussi bien des jets que de la, des trains, mais aussi l'accélération de la vision. Si on prend Google Earth, Google Street, je suis désolé, on réduit le monde à une instantanéité qui est celle, effectivement, de la vitesse de la lumière. Donc il y a un sentiment d'étouffement, il y a une sorte d'asphyxie de la sensibilité qui vient de cette énergie cinématique dont on parlait tout à l'heure. Donc le monde est saturé, pas simplement saturé parce qu'il est plein, il n'est pas plein, il y a encore plein d'espaces vides, mais parce que les individus ont conscience de son étroitesse par rapport au progrès. Le monde est trop petit pour le progrès de l'accélération dans tous les domaines. Donc on est devant là des questions qui sont des questions géopolitiques et chronotopiques, c'est-à-dire qu'elles concernent à la fois l'emploi du temps et l'emploi de l'espace. Et effectivement, aujourd'hui, la question du vide est une grande question politique. Alors, si je reviens un peu sur mon analyse, l'habitabilité du vide, c'est le vide de la lithosphère, c'est-à-dire le vide de la Terre, avec des zones pleines, les cités, les métropoles, et des zones vides, trop vides, les déserts. Quelque chose de nouveau se joue, et en particulier se joue depuis l'événement de Fukushima. Et je dis bien Fukushima et pas de Tchernobyl. C'est la possibilité d'un nouveau vide, qui ne serait pas le vide des zones inhabitables, là où il fait trop froid, là où il fait trop chaud, mais des zones inhabitables interdites à jamais. Je rappelle plutonium, 24 000 ans. De durée de la contamination de l'espace. L'iode 129, 15 millions d'années. Donc, quelque part, la question d'un vide sur Terre, cette fois, et pas simplement ailleurs dans le grand cosmos, et un interdit de zones importantes se fait jour. J'en donne un exemple, tout de suite, dont on ne parle pas assez, à propos de Fukushima. Déjà au Japon, les Japonais commencent à penser à la partition de l'île de Honshu, nord-sud, est-ouest. C'est-à-dire que déjà, on est bien au-delà des 20 km d'interdit de la zone autour de la centrale. On est déjà dans une intelligence, étant donné les risques, on peut dire, apocalyptiques des séismes au Japon, qui sont extraordinaires, on est déjà dans l'idée de créer des déserts, de l'inhabitabilité. Donc vous voyez à quel point la question du vide est une question d'actualité. Là aussi c'est un vide invisible. Le vide est là, mais on ne peut pas y aller. Et on n'ira jamais, sous peine de mort. La question de la tour redevient d'actualité. Devant la grande concentration dans les villes aujourd'hui, la saturation de la densité métropolitaine, la question du vide en altitude se pose, d'où le tourélisme, comme je l'appelle. Shanghai, 7000 tours, pourquoi pas 70 000 ? Quelque chose se joue derrière la tour qui est la recherche d'un vide en altitude. Et ce vide en altitude pose la question de la densification du ciel après la densification du sol. On peut dire que autant la ville qui s'étale, genre Bombay, je ne sais quoi, Tokyo, etc., Mexico, etc., et que l'on conteste aujourd'hui, on est en train, au nom de cette contestation, de lancer la conquête du vide en altitude. Et donc, on est devant un événement tout aussi grave que la saturation horizontale. La saturation verticale, ce que j'appelle la chute en haut. Le World Trade Center, c'est la chute en bas d'un attentat, un haut lieu symbolique, etc. Maintenant, la réponse, c'est la chute en haut.
La prolifération des tours. Là encore, je le dis souvent à Jean Nouvel, on avait une discussion ensemble, il dit, mais Paul, qu'est-ce que tu as contre les tours? Et j'ai dit, la qualité, rien. La quantité, tout. J'ai rien contre la tour. J'ai tout contre les tours, quand elles deviennent une saturation de l'espace vertical. Donc, il y a là un signe qui est prolongé dans la science contemporaine, avec la recherche des exoplanètes, avec la recherche de planètes habitables, avec le terraforming, à la terraformation, on ramènerait un climat, etc. etc. Cette projection en altitude à la recherche d'un nouveau vide, aérien dans un premier temps, devient sidérale dans un autre. Le nombre de recherches de planètes habitables pas trop loin dans le système solaire est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc les tours, cette chute en haut, est aussi un signal d'une fuite, non plus en avant, mais en haut. Mais d'une fuite. Donc moi je crois que là, les choses sont très importantes au niveau de ce vide-là. L'écologie, le développement durable qui va contre la densification des villes est une bonne chose, mais si c'est pour proliférer les tours, c'est une illusion. À mon avis, la question de l'inhabitabilité des années 60 est encore en liaison avec une menace de guerre, et non pas avec, c'est-à-dire la menace d'une horreur. Auschwitz, Hiroshima, alors qu'aujourd'hui la menace, c'est la menace de la réussite, c'est la menace du progrès, n'est plus la menace du totalitarisme, le nazisme, le stalinisme, etc., et la guerre totale, ou la dissuasion, l'équilibre de la terreur, le mot, bon, c'est la menace du succès. Comme le disait Hannah Arendt, elle qui est la grande philosophe de cette époque, plus qu'Heidegger, moi je préfère Hannah Arendt, quand elle dit « le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille ». Or, en ce moment, la catastrophe, c'est la catastrophe du progrès, mais au sens de la saturation de l'espace. Je rappelle qu'à la fin du siècle, on sera 9 milliards sur la Terre, et donc les questions posées par Malthus deviendront d'actualité. Donc, on est devant une question qui, moi, à mon avis, ne pourra être résolue que par le mouvement. Ce que j'ai appelé la circulation habitable. Donc on est à un moment de rupture civilisationnelle, historique, inouïe. J'ai envie de dire, c'est l'équivalent du néolithique. Et quand on passe du nomadisme à la sédentarité, c'est un moment inouï. Et bien sûr, c'est très complexe. Bon. Mais là, c'est aussi un moment inouï et aussi très complexe et qui va durer longtemps. Mais qui est affronté à la limite du monde. C'est-à-dire que le monde est trop petit pour l'empreinte écologique. Là, le néolithique, il n'avait pas ça. Le monde était un univers pour les premiers hommes, alors que nous, c'est une petite boîte. C'est la grande, grande question. On a su très vite que la Terre était ronde, même si certains ne voulaient pas le croire. Ils la croyaient plate. Maintenant, elle est non seulement ronde, mais elle est minuscule. On a raté la relativité. Moi, je le dis, je travaille sur la vitesse, donc je travaille sur la relativité. Je l'ai dit d'ailleurs aussi bien dans Science et Avenir qu'ailleurs, que dans mes livres. Ce qu'il faut, c'est un ministère du temps. Pas seulement du temps qu'il fait, écologique, mais du temps qu'il faut. Donc il faut un ministère de la relativité. Si le moment d'inertie domine l'inertie des lieux, il faut un ministère de l'aménagement de l'espace-temps. Un ministère chronotopique qui ne serait pas seulement celui de l'aménagement du territoire ou de l'aménagement des temps de transport, etc., qui serait une intelligence de la relativité du moment que nous vivons. Et les architectes ne sont pas mûrs pour ça. Ils sont des hommes du solide, ils ne sont pas des hommes du liquide. Ils ont été, ils le sont pour la plupart d'entre eux, des hommes de l'inertie, y compris l'inertie de la tour. Ils ne sont pas des hommes du mouvement. Moi, je rappelle que, bon, avec Claude Parent, on était tous les deux des dingues de la bagnole. Moi, j'avais une Jaguar et lui, il avait une Maserati. Non, pas une Maserati, une Aston Martin. Donc, quelque part, alors, je critique la vitesse, mais je l'ai aimée. Je suis dedans.
voyez ce que je veux dire? Je la comprends de l'intérieur. Et je la critique de l'intérieur. Et on est là dans le rapport au vide, c'est-à-dire au vite. Vous voyez, les deux sont liés. Mais si le vite et le vide sont liés, le vif, c'est le plein. C'est incroyable d'ailleurs à quel point en France on est trop cartésien, on n'a pas laissé passer des questions comme celle-là. Parce que finalement, on les a pas laissés passer, on les a personnalisés. La fonction oblique, c'était pas un truc personnalisable. Le pli, hein, c'est pareil. C'est pas Deleuze, le pli. C'est la topologie, la vraie question. Alors, sauf que Deleuze en a bien parlé, parce que c'est un homme modeste. Moi, j'aimais bien Gilles, parce que c'était un homme d'une générosité formidable, d'une modestie formidable. Malheureusement, il s'est jeté dans le vide. Vous savez comment il est mort? S'est jeté du 6e étage, avenue Niel. J'ai eu un coup de fil, on va y aller. On va y aller.